Est-ce que je suis dans le cadre là? Non. Ah, attends. Est-ce que là je suis dans le cadre? Les enfants, vous me voyez là? Non, c'est pas mieux. Hein. Non, c'est pas mieux. Ah. Parce qu'on m'a dit il faut que tu sois bien dans le cadre. Alors attends. Si je recule. Si je mets là, est-ce que, enfin, je sais pas. Vous me voyez là à la caméra? Ah, c'est un peu mieux. C'est mieux, hein. Parfait, ouais. Hein. Mais est-ce que je suis dans le cadre pour l'assemblée? Non. Ah non. Dans la chair. Ah, soit la chair. Allez, c'est bien. Est-ce qu'on m'a dit il faut que tu sois dans le cadre? Mais j'ai pas bien compris de quel cadre on parlait. Il y en a plusieurs. Mais alors, et puis j'ai pas très bien entendu au téléphone, on m'a peut-être dit il faut que tu tiennes le cadre. Mais alors, je sais pas quel cadre. Est-ce que c'est le cadre de la chair, je tiens comme ça, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est le cadre du culte que je dois tenir? Alors là, si je peux rester comme ça pendant une heure, ça va être compliqué. Le cadre de la liturgie ou le cadre de la fête des rameaux? Alors pour les rameaux, ça va être compliqué. Non, je sais pas. Est-ce que vous avez une idée du cadre dont on parle? Non. Ah. Enfin, c'est le... Vous savez, le cadre évident, le cadre qui tient tout le monde. Le cadre qui cadre, quoi, vous voyez? Enfin, je sais pas, moi, de quel cadre on m'a parlé, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, le cadre. Ou peut-être, c'est peut-être l'inverse, en fait, je devrais dire plutôt, il y a un cadre qui tient mon cœur particulièrement. Et je pense que peut-être vous aussi, puisque vous êtes là ce matin, c'est la grâce de Dieu. Car oui, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de Jésus-Christ, son Fils unique et notre Sauveur. Amen. Alors je vous invite à chanter cette réjouissance, ce rassemblement en son nom avec le 21-17. Nous voici rassemblés en son nom. C'est le monde qui est renversé. Les grands, ils sont petits. Le Seigneur, il est serviteur. Les prostituées sont à l'honneur. La femme stérile, elle enfante. Le loup dort avec l'agneau. L'enfant joue sur le repère du cobra. C'est là, et pas encore. Et quand les croyants célèbrent, c'est pour crier cette espérance, crier cette venue qui est déjà passée, et encore à venir. Alors poursuivons notre louange en chantant cette espérance, cette confiance que le Christ qui vient, il est déjà venu,
Et il vient encore et toujours pour renverser les cadres et renverser nos cœurs. Chantons le cantique 21-09. Vient en cette heure les strophes 1 et 3. Les enfants de l'école biblique vont nous quitter. Il y a Jonas. Toi, là-bas, si tu veux faire l'école biblique ce matin, la voie est ouverte. Le Seigneur est présent à nos côtés et il nous invite à faire route avec lui en toute vérité. Je vous invite à la prière. Seigneur, par notre vie et par nos actes, nous avons exposé au doute ton amour, ta justice et ta paix. Nous avons dit à d'autres que tu les consolerais, mais nous n'avons rien fait nous-mêmes pour les consoler. Nous avons parlé de l'amour du prochain, mais nous n'avons donné que peu d'amour de nous-mêmes. Nous avons soutenu des systèmes économiques, politiques, qui maintiennent l'injustice, et nous avons abandonné à eux-mêmes les pauvres, les faibles, les exclus. Nous avons prêché la paix, mais nous n'avons pas voulu nous lancer nous-mêmes dans l'action. Nous avons plébiscité des résolutions contre la guerre, l'injustice, les discriminations, et nous avons soutenu le statu quo par nos actes. Seigneur, nous sommes lents à entendre ton appel, cet appel d'amour, de justice et de paix. Parfois, nous sommes même trop paresseux pour te suivre. Nous restons dans nos habitudes, nos fonctionnements, dans nos chaussons. Nous hésitons à nous jeter dans l'aventure de la foi. Alors, Seigneur, pardonne-nous. Amen. Je vous invite à chanter le 47-18, les strophes 1 et 3. Le 47-18, strophes 1 et 3.
Je vous invite à vous lever pour accueillir ces paroles de grâce, cette grâce qui est déjà donnée, qui nous précède toujours. En Jésus-Christ, Dieu est devenu tout proche. Lorsque nous nous tournons vers lui, il s'adresse à nous avec les mots de l'évangile, de cette bonne nouvelle. Le mot « paix », que la paix soit avec vous. Le mot « amour », aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot « pardon », Père, pardonne-leur. Alors que sa paix nous conduise, que son amour nous relève, que son pardon nous réjouisse et qu'il nous donne de marcher vers son royaume de paix, d'amour et de justice. Amen. Et gardons le même cantique en chantant les strophes 4 et 5. 4 et 5. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne, qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons lire et écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Aujourd'hui, dimanche des rameaux, le texte du jour va être les rameaux. Eh oui, mais quelle version ! Aujourd'hui, nous allons lire dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, les versets 1 à 11. Alors qu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Sitôt vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, il le renverra ici tout de suite. » Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amènent à Jésus l'ânon, sur lequel ils lancent leurs vêtements. Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé,
comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à chanter le 61-18, Jésus le Christ, lumière intérieure. Nous allons le chanter deux fois. Saviez-vous que l'évangile selon Marc était l'évangile le plus court ? 16 chapitres, pas un de plus, pour témoigner du Christ et de la nouvelle, la bonne nouvelle. C'est un condensé de témoignages, où chaque mot, chaque verset semble avoir été bien pesé, où la rédaction dans son ensemble amène à s'interroger sans cesse sur qui était Jésus pour nous lecteurs, lectrices, auditeurs. Le passage d'aujourd'hui, l'emblématique passage des rameaux, ne fait pas exception à cela. Le texte que nous avons lu débute en mentionnant que Jésus et ses disciples s'approche de Jérusalem, vers Bethphagée, Béthanie, près du mont des Oliviers. Et à l'écoute de ces trois lieux, l'oreille des contemporains de Marc pouvait se douter qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire, qu'il y avait quelque chose d'étonnant qui allait se jouer là. Le Messie, le roi libérateur tant attendu, devait se révéler au mont des Oliviers. Bethphagée, littéralement la maison de la figue, c'est une construction, un jeu de mots. Le figuier, cet arbre qui a fourni le pagne de Adam et Ève dans le récit de la Genèse. Le figuier, ce lieu où simultanément les humains se dissimulent les uns des autres et trouvent un abri pour éviter le face-à-face avec Dieu. Et puis Béthanie, qui peut être traduit littéralement par la maison de grâce ou de bénédiction. Voici donc Jésus et les 12 à ce carrefour, proche de Jérusalem, de son temple, le cœur de la vie politique et religieuse, approchant du lieu saint, du lieu où Dieu est présent. Alors, à la lecture de cette simple phrase, à son écoute, nous pouvons tout à fait imaginer le suspense intenable qu'il devait y avoir lieu. Que va-t-il se passer ? Est-ce que l'identité de Jésus va-t-elle enfin être révélée ? La révolution va-t-elle enfin être lancée ? Est-ce que c'est le début du monde nouveau ? Alors, c'est bien évidemment un événement à part qui va se dérouler, mais certainement pas comme ce qui était attendu pour l'époque. Si la révolution a eu lieu, elle se fit sans armes,
Si l'identité de Jésus y fut révélée, elle le fut par un grand silence de sa part. Car oui, l'événement, il est hors du commun. Mais les clés de lecture ne sont pas données clé en main, si je peux dire. Jésus sème les indices, il pose les pierres sur le chemin, mais c'est à la foule et à tout un chacun de relier ces points. Jésus avance, humblement, sur son âne, gardant le silence. Il ne dit pas un mot pendant cette entrée. Et c'est à nous de relier les points, en toute liberté. Et il serait trop facile d'accabler cette foule de son erreur possible, maintenant que nous, nous avons lu toute l'histoire, ou l'histoire au complet. Parce que oui, il y a mille et une façons de comprendre ce qui s'est joué ce jour-là, lors de cette entrée à Jérusalem. Parce que oui, si on se base sur ce qu'on a vu avant, sur ce qui était de l'usage de l'époque, il y a plein de manières de comprendre cette entrée, mais elles finissent toutes irrémédiablement en impasse, en aporie. En entrant dans Jérusalem, le texte nous dit que beaucoup de gens étendirent leurs vêtements et des rameaux sur le chemin. Ceux-là étaient dignes d'un retour victorieux de militaire. Mais voilà, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de victoire armée de Jésus et des 12 précédemment, pas plus qu'il n'y a d'armes dans le cortège, car sinon les Romains seraient intervenus comme ils ont pu le faire à la même période dans de telles circonstances. Non, ce cortège, c'est un cortège de paix. Jésus et les 12 entrent dans Jérusalem et vont directement au temple. Là aussi, c'est un petit indice au détour du verset. Lorsqu'un haut dignitaire se rendait dans une grande ville, son arrivée se déroulait avec tout autant d'acclamations et se terminait par la visite du temple de la ville. Oui, mais voilà, habituellement, il y a des hauts dignitaires qui attendent à l'entrée avec des grands discours. Si Jésus était considéré comme ce haut dignitaire, il y aurait eu cet accueil à l'entrée, il y aurait eu ces grands discours aux portes de la ville et dans le temple. Mais ce n'est pas le cas non plus. Ce n'est pas le cortège de nantis ou de religieux. Non, c'est un cortège du peuple. Jésus entre dans Jérusalem, assis sur un ânon, la monture des patriarches et des rois. La monture de la paix et non de la guerre, qui était le cheval. Mais là non plus, ça colle pas. Parce que le roi, il ordonne, il dispose, il réquisitionne. Or là, les disciples annoncent que l'âne sera rendu. Encore une fois, aucun Romain n'est là non plus pour l'arrêter. Non, ce n'est pas le cortège d'un roi. Et la moitié du texte porte sur cette question d'âne. Et c'est peut-être là, finalement, qui est le début de la clé de la lecture de l'histoire. Cet âne qui interpelle. Aucun homme ne s'est déjà assis dessus. Cet âne, au sens premier du terme, était à part. Il est appelé à participer à un moment hors du commun, un temps à part. Jésus en avait besoin pour témoigner en silence à travers le brouhaha de cette foule. Il en avait besoin pour avancer humblement dans le cœur de la ville, comme dans nos cœurs aujourd'hui. Oui, ce temps des rameaux, c'est un événement à part, un événement hors du temps où les choses sont bouleversées. Ou plutôt, peuvent être bouleversés si l'on fait le choix de relier les points, de regarder les événements à partir de Béthanie
de la maison de la grâce et de la bénédiction. Plutôt que de regarder les événements à partir de Bethphagée, la maison où l'on se cache et où on se cache de Dieu. Les rameaux, c'est ce temps où l'on peut crier « Hosanna » comme un cri d'acclamation, un cri de louange pour un roi. Mais c'est aussi le temps où on peut crier « Hosanna » comme un cri qui demande grâce, qui demande de l'aide à Jésus alors qu'il avance vers le cœur religieux, vers nos cœurs. La foule pensait certainement vivre un moment historique, et elle l'a bien vécu ce moment historique, mais certainement pas comme elle l'attendait. Les personnes présentes l'ont cru roi politique, promis selon les lectures, leurs lectures, les traditions, les attentes inscrites dans leur temps. Ces personnes avaient peut-être l'impression de vivre les dernières heures d'un monde ancien, prisonnier des oppressions, des injustices. Elles sentaient peut-être venir ce monde nouveau de justice, de paix et de bonheur. Pourtant, cette foule n'avait à offrir à Dieu qu'une simple révision du monde, un monde refondu, réorganisé, mais qui fonctionne finalement toujours selon les structures anciennes. Le monde nouveau qu'ils avaient à offrir ressemblait un peu trop à un monde ancien redécoré, comme ce cadre que l'on repeint pour avoir l'impression qu'il a changé. Seulement voilà, ce que Jésus, ce que le Christ a offert au monde, c'est pas de la peinture, c'est pas une redécoration du monde, c'est un bouleversement, un changement de paradigme. Ce n'est pas un renversement du cadre, c'est le changement complet, total du cadre. Et quand on y pense, combien de dirigeants persuadés de faire le bien ont commis des actes de guerre et d'injustice ? Quand on y pense, combien de fois persuadés de faire le bien nous avons fait du tort ? Combien de fois avons-nous pensé pouvoir faire, créer un monde nouveau selon de nouveaux paradigmes pour qu'au final, nous voyons réapparaître inlassablement les mêmes problèmes qu'ultérieurement ? Pas plus tard que l'année dernière, à cette même époque, nous parlions de construire un monde nouveau. Est-ce que vous vous en souvenez ? A-t-il vraiment vu le jour aujourd'hui, selon vous ? Nous sommes dans ce monde, produits de ce monde, pensons le monde, mais le pensons selon les paradigmes de ce monde. Vous le voyez le cadre ? Le circuit fermé ? Eh bien voilà notre foi. Voilà ce que le Christ nous a offert par sa grâce. Les fondations d'un monde tout autre. Le surgissement d'un monde déjà basé sur la paix et la justice. Un monde, un royaume qui n'est pas de ce monde. Du monde tel que nous le connaissons, tel que nous le pensons. Voilà ce que le Christ nous a offert. Et voilà pourquoi il ne reste pas dans le lieu où l'on se couvre la vue pour ne pas voir le monde tel qu'il est. Voilà pourquoi il ne reste pas dans le temple où l'on enferme Dieu dans les perspectives de notre monde. Voilà pourquoi il se rend à Béthanie, le lieu de bénédiction, de grâce et de résurrection. Dans ses derniers enseignements aux disciples, Jésus leur demande de ne pas se laisser égarer. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à faire votre cette demande. Ne nous laissons pas égarer. Ne devenons pas celles et ceux qui continuent à vouloir inlassablement remodeler l'ancien monde. Le nouveau monde, celui sur lequel porte notre espérance, le royaume du Christ et du domaine de la foi. Imperceptible, insaisissable, et pourtant il est déjà là, si bouleversant.
ne nous laissons pas égarer par ce rêve de grandeur, de toute puissance, par ce rêve que nous pouvons tout, tout seul, sous peine de ne jamais voir éclore ce monde nouveau. Osons lâcher nos sécurités humaines pour Dieu. Osons lâcher la sécurité de nos systèmes injustes, mais tellement confortables parce que tellement bien connus. Osons lâcher ces sécurités des structures construites, pierre après pierre, pour aller au grand air, pour laisser la place à la respiration, pour laisser la place à la grâce. Les rameaux annoncent ce changement de paradigme qui se réalisera à Pâques. La fête des rameaux, on pourrait la sous-titrer « La fête du changement du cadre ». Alors, chers amis, arrêtons de croire que nous pouvons changer le monde uniquement par notre propre force. Arrêtons de croire que nous pourrions possiblement être des chrétiens parfaits uniquement par notre volonté, ou des militants uniquement par nos actions efficaces. Laissons de la place dans nos vies, dans nos cœurs, au Christ qui s'avance humblement dans le silence, sans imposer, mais offrant ce monde nouveau. Laissons de la place pour que petit à petit, apparaissant, il nous transforme et qu'ainsi ce royaume qui est déjà fondé sur la paix et la justice apparaisse dans nos quotidiens. Laissons de la place pour que ces fondations deviennent nôtres et notre manière de voir, de lire et de vivre dans le monde. Et les jours où cela est trop dur, associons-nous à ces hosannas de la foule, à ces « Seigneur, viens à notre aide ». Amen. Thank you.
vous invite à vous lever pour la confession de foi auquel je vous invite à vous associer. Nous croyons que Jésus est venu parmi nous de la part de Dieu. Il nous révèle notre véritable humanité. Il a été en même temps plein d'amour et de justice. Sa royauté demeure secrète et pourtant sûre à travers les siècles. Nous croyons que Jésus ressuscité demeure toujours celui qui vient vers nous. Il vient dans son évangile, dans la Sainte Cène, dans l'assemblée des fidèles. Il vient sans que nous le sachions, ici et là, vers celles et ceux qui l'attendent et celles et ceux qui ne l'attendent pas. Il est le mystérieux visiteur de toute vie humaine. Nous croyons que Jésus reviendra, que sa gloire sera reconnue, que sa plus grande gloire sera son amour, que sa royauté deviendra son royaume. Nous croyons que cette espérance nous unit à tous les êtres humains de la terre. C'est là notre assurance et c'est là notre joie. Amen. Et chantons le 44-10. Je te suivrai, Jésus. Et j'ai un doute. Les strophes 1 à 3. Voilà. 44-10. Voici venu le temps des annonces, le temps des engagements et des activités que nous entreprenons. Paul Estrampé. Tout d'abord, quelques informations sur le temps de Pâques. Je redonne la parole à Émilie. Alors, qui dit rameau dit Pâques dans une semaine, oui. Alors, on vous a prévu un programme de folie.
Je le lis pas d'ici, mais je vais essayer de me souvenir. Nous avons... Paul, il va falloir que tu m'aides. Samedi saint ? Ah, super, merci. Merci beaucoup. Alors, jeudi 1er avril, samedi saint, il y a la conférence du professeur Élian Cuvillier, Jésus de la foi, qui sera donc retransmise en visioconférence pour cause de couvre-feu. C'est prévu à 18h30. Tout ce que je vous dis là, vous avez les petits flyers, puis évidemment tout est sur le site de la paroisse. Vendredi saint, vendredi 2 avril, pour celles et ceux qui le peuvent, à midi et quart à la cathédrale de Montpellier, il y a une lecture œcuménique du récit de la Passion. Et puis, parce qu'on ne vous oublie pas si vous travaillez, à 16h, ici même, il y a la chorale Goudimel qui nous fait l'honneur d'un concert, d'un culte-concert. Et oui, d'un culte-concert pour ce vendredi saint. 16h. Samedi 3 avril, samedi saint. Vous voyez le compte à rebours ? À 11h, ici même, comme nous avons ouvert le temps de carême avec la communauté catholique, nous refermons ce temps-là avec un office qui est appelé l'office du silence, ou dit aussi l'office des ténèbres. Alors j'ai plein de questions, je vais juste prendre deux petites minutes pour vous expliquer ce que c'est ce principe-là. Vendredi saint, c'est la mise au tombeau. Samedi, on dit que le Christ est dans le royaume des morts, là où Dieu lui-même, le Sheol, Dieu lui-même, n'y est pas. Mais du coup, où est Dieu ici, dans la création ? Alors on dit traditionnellement que le samedi saint, la création fait silence. Toute créature fait silence, attendant de voir ce qu'il va advenir. Voilà. Alors c'est un office où on ne fait que lire. On ne peut rien dire de Dieu puisqu'il n'est pas ici. On peut un peu le prier, mais on ne pourrait presque pas dire de bénédiction parce qu'on ne peut pas parler au nom de Dieu puisqu'il n'est pas ici. C'est un temps très particulier et on vous invite voilà, à le vivre tous ensemble, ici, à 11h, au Centre œcuménique. Si le dimanche 4 avril, le dimanche de Pâques, vous n'êtes pas disponible, parce que c'est un dimanche aussi familial, vous pouvez célébrer la Pâque en avance. Le samedi, à 18h, au temple de Moggio, on célébrera la Pâque avec un petit peu d'avance. Sinon, la marche vers l'aurore, proclamation de la résurrection au petit matin et petit déjeuner en plein air dans le secteur Mer et Vigne. Et puis, il y a l'aube nouvelle, un peu plus près d'ici, au quartier Mausson, au lac des Garrigues, une aube œcuménique aussi. Et puis, à 10h30, la grande fête pascale, le culte, dans tous les secteurs, dans tous les lieux de temple, et ici, en particulier, à 10h30. Et si vraiment vous restez sur votre faim encore, il y a le lundi 5 avril pique-nique œcuménique qui est organisé par la Margelle et la paroisse catholique de Saint-Paul et de Sainte-Croix. Et là aussi, toutes les informations sont sur le site. C'est long, mais il y a les flyers. Je voulais signaler aussi que ce matin, il y a école biblique. Donc, si vous connaissez des enfants qui veulent s'y joindre, les animateurs... Yves et Evelyne sont là. Je pense que Lignelise a une annonce à faire. Oui, j'ai une annonce à faire concernant la présentation de ces deux jeunes filles qu'on aurait dû déjà présenter depuis le début de l'année, mais vous savez pourquoi, hein. Ça ne s'est pas encore fait. Voilà, donc Stéphanie et Geza, qui sont, peut-être vous avez deviné, qui sont allemandes,
et qui viennent en tant qu'année diaconale après le bac, l'équivalent du bac en Allemagne, ont choisi pendant une année d'aller quelque part, de faire une expérience de vie. Et elles ont choisi de venir dans l'Église protestante unie de France. Et nous les en remercions parce que c'est pas pour rien qu'elles sont là. Elles font énormément de choses malgré les difficultés que nous avons, eues. Voilà, elles vont vous parler un peu de ce qu'elles font depuis qu'elles sont à Montpellier, depuis le mois de septembre, dans notre église. Voilà, bien sûr, elles font des efforts en français, elles viennent tous les jeudis matin avec moi pour renforcer leur français. Vous allez pouvoir juger de la qualité de leurs efforts. Bonjour à tous. Moi je suis Stéphanie. Alors je suis Stéphanie et ça c'est Kesa Kandisa. Lindisa a déjà dit. Alors nous sommes déjà ici depuis septembre et oui, nous sommes très contentes d'être ici et ça nous plaît beaucoup. Et oui, maintenant, je pense qu'ils avaient un peu raconté qu'est-ce qu'on fait ici. Bonjour. Oui, nous avons beaucoup de choses à faire pendant la semaine. Par exemple, nous aidons chaque mercredi à l'épicerie sociale où nous aidons avec la préparation des écoles bibliques et nous faisons des sorties avec catéchisme. Oui, et nous sommes très heureux pour avoir des cours de français avec Lindise. Et ça serait un grand plaisir de faire un peu de connaissance de vous. Oui, si vous avez envie. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Les jeunes aussi, elles ont oublié de dire qu'elles sont très actives auprès des jeunes. Quand il y avait un fonctionnement normal, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, elles vont le reprendre, hein, dans le groupe des jeunes avec Caroline, qui est d'ailleurs là-haut. Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Et donc, voilà. Et alors, comme elles nous ont dit, elles seraient très heureuses de faire votre connaissance. Donc, j'ai préparé, un petit découpage, là, où j'ai marqué leurs coordonnées. Stéphanie Guéza avec leur numéro de téléphone. Donc, elles ont un numéro de téléphone que la paroisse leur a prêté, leur donné pour cette année. Et donc, voilà, elles seraient ravies de partager éventuellement un repas avec vous, si vous le voulez, ou une sortie. Elles adorent voyager, donc circuler. Elles ont déjà fait le cirque de la Vincelle. Vous avez fait. Alexandre, Marseille, oui, Saint-Guilain-le-Désert, Ganges. Donc vous voyez qu'elles ont oublié de vous dire qu'à Gamme, elles sont aussi très actives. Elles vont aider pour les petits déjeuners, hein, voilà, Babel Café, etc. Donc voilà, j'ai préparé pour vous. Vous pouvez prendre donc une petite languette. Vous aurez toutes leurs de quoi les joindre. Voilà. Elles peuvent arriver juste au tram, ce qu'elles font régulièrement. Elles arrivent ici en tram, puisqu'elles habitent Montpellier, et dans un logement de l'Opima. Et donc, après, on s'entend, on leur téléphone et on s'en va. Il faut bien sûr venir les chercher au tram et les ramener. Voilà. Donc, vous avez tout le fonctionnement. Je peux le donner, je peux aussi, je vais afficher ceci et vous vous servir. Voilà. Merci. Suzanne. Voilà, n'accourez pas tous. J'ai reçu par courrier 4. C'est 2 Chinois qui, à Wuhan, étaient les premiers à vouloir, avec ce jeune médecin qui est mort. Et ceux-là, ils sont en prison depuis plus d'un an. Alors, il faut respecter
auprès de l'ambassadeur plénipensionnaire, auprès à Genève. Alors ça vous coûte un timbre pour l'étranger. J'en ai 4 et je vous attends à la sortie. Merci Suzanne. Très bien. Et j'ai aussi une demande, si certains d'entre vous ont des chaises en bois, de bien vouloir nous les apporter pour les mettre dans la pièce à côté qui va servir de bureau. Voilà. Donc si vous avez 4 chaises en bois, ou une, ou deux, ou trois, hein, voilà. Si possible, on essaiera qu'elles ne soient pas trop dépareillées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces éventuelles? Bon, ben, à ce moment-là, je laisse Emeline rentrer dans le cadre. Pour mieux le bouleverser encore. Une fois. L'Église vit de l'esprit, mais elle fonctionne avec vos dons. Voici venu le temps de l'offrande. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sois-tu Seigneur pour tous les dons que tu nous donnes. Accepte nos dons, fais avec joie pour ton Église. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres. Seigneur, nous te prions pour la paix. Une paix fondée sur l'amour en Christ. Que l'inimité et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance. Une espérance qui jaillisse de la résurrection. L'espérance qui est en celui-là seul qui est venu et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus. Le courage pour bâtir quand tout s'écroule, le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu. Assurer que le chemin n'est pas caché pour Dieu. Le courage d'être corps du Christ. De sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse que tu as pour eux. Ô Dieu de lumière et de vie, de tout notre cœur et d'un seul élan, nous t'adressons la prière que le Christ, Sauveur et Seigneur, nous a confié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en prie. Allez et marchez. Que le monde voit votre lumière, qu'il entende votre parole et qu'il ressente votre joie, car vous êtes les témoins du Christ déjà ressuscité. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de son esprit. Amen. Et chantons les strophes 1 et 2 du 62-79. Les strophes 1 et 2. Rendons gloire à Dieu notre Père. Sure.